Salut! Alors voilà, Meg est pas là, donc du coup bah, maintenant c'est moi qui va faire la présentation de la vidéo. C'est moi qui gère maintenant. Et tu fais quoi là? Salut! Ah, tiens! Salut tout le monde, c'est Meg et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui bah, on est avec Mia et maintenant ce sera toujours avec elle. Avec Mia! Voilà, ah ouais. Il sera tout le temps dans nos dans les vidéos maintenant parce que la chaîne, si vous l'aurez remarqué, s'appelle Meg et Mia maintenant. Je laisse Mia se présenter. Salut, moi c'est Mia, ben j'ai 20 ans, ben non j'ai 21 ans. J'ai 21 ans et puis voilà, j'ai une vie passionnante, je sais. Enfin voilà, je fais des vidéos avec Maggie maintenant, enfin ça fait un petit moment qu'on en fait. Mais... Bah d'ailleurs le dernier clip comme vous l'aurez pu voir, elle était dans le vlog de Disney Village et du vlog des Teen Titans, c'est maintenant. Et elle sera tout le temps avec nous maintenant. Ouais, et puis voilà, donc ma petite réponse c'est... Ariel. Donc maintenant les vidéos se font avec elle, les intros de vlog aussi. Et on a plein, d'ailleurs on a plein de projets en cours d'écriture. Donc si vous voulez voir ce que ça va donner, abonnez-vous et bah, vous verrez. On espère que ça vous plaira. Ouais. Que cette vidéo, c'est qu'on va parler bah, du vlog qu'on a, enfin le tout petit vlog parce qu'on n'a pas pu beaucoup filmer parce que la caméra que j'utilise c'est mon portable et mon portable est un peu comment dire possédé par un esprit. Donc oui, le vlog c'était bah, c'est quand on est allé voir Kev Adams et l'équipe du film pour la sortie d'Ami Public le jour même de sa sortie à 9h du matin. Ouais, qu'on refera plus jamais, je crois. Jamais. Plus jamais. On est arrivé en retard. On s'est levé 5 minutes. Ouais. Ce qui est, je précise, un exploit pour moi. Un exploit. On s'était levé à l'heure, on était prête à l'heure, mais je crois qu'on a eu un problème dans le train. Ouais, et puis. Le train s'était arrêté, je crois. Ouais, aussi. Et après, on a couru comme la grande vadrouille pour rejoindre. Comparaison. Pour rejoindre le cinéma. Voilà. Le cinéma. Voilà. Donc ouais, on arrive au cinéma, on arrive au guichet, on avait réservé nos places en plus. Et comme il fallait imprimer la place, c'était en forme de scan. Donc on a nos bornes, on a scanné. Et là, ça ne voulait pas scanner. Il disait que c'est pas de réservation disponible. Et là, c'est le drame. Ah ouais, mais le drame total. Surtout pour moi, qui attendais ça depuis des semaines, des mois. On était... J'avais trop de la peine, elle était... Oh non. Oh non. En même temps, du coup, je suis allée voir le responsable... Le vrai guichet avec une vraie personne. Voilà. Bah, excusez-moi, voilà, on a fait la queue. Déjà, ouais. On a fait la queue. Alors il y avait deux personnes devant, mais c'est pas grave, je suis pas patiente. Oui, bonjour, voilà, ce serait pour aller voir Ami Public, ouais, votre ticket, enfin, on explique comme quoi j'ai réservé. On a même précisé le prix. Hein. Oh là là, 16,40€. Pile. C'était pour prouver qu'on avait bien payé. Voilà, j'ai la carte de crédit, la feuille, tout la totale. Et oui, alors ouais, c'est bien, bah, vous avez pas de réservation. Ouais, mais j'ai payé. Ah bah c'est dommage, mais arrêtez, c'est un rêve. Voilà, je voudrais voir Kev Adams, c'est vraiment sur... Oui, je sais, mais allez voir au guichet. Non, oui, parce qu'en fait, il faut préciser qu'il y avait un guichet, c'était sur deux étages, je crois, il y a même plusieurs étages. Et on était... il fallait monter au deuxième étage. Du coup, on est monté au guichet du deuxième étage. Et là, miracle, ils nous ont laissé passer. Notre sauveur. Ah ouais. Il était, en fait, il a vu qu'on était désespérés, on a payé, on était comme de petites filles, comme encore ça. Encore en train de préciser 16,40€. Ouais, on a encore précisé le prix. Et ils nous ont dit, bon, allez-y, donc là, il est passé. Alléluia. Donc ouais, donc on marche, tranquille, on va jusqu'à la salle. Et là, qui tu vois? Ouais, donc je marche, on parle avec Mia, je tourne la tête, qui je vois? En train de manger. Les acteurs, Johnny Depp, Paul Bartel, Kev Adams, Edouard Pluvier, le réalisateur du film, il y avait Chloé Koulou et la petite, je suis désolée, je ne me souviens plus du nom, Emma Jade Berilla, qui était en train de manger, qui était en train de sûrement prendre leur petit-déj. Ouais. C'était pas un sandwich qu'ils mangeaient? Je sais plus. À 9h. Ouais, bon, tu me diras, ils allaient avoir une longue journée parce que toute la journée ils ont enchaîné les sorties de films. Je me fais la tête. Ouais, donc je tourne la tête et puis je croise le regard de Janelle et Jam qui était avec son
son sandwich, oui, je crois que c'était bien un sandwich. Son sandwich dans la bouche et qui me sourit et qui me regarde. Je tourne, je retourne la tête et je regarde Mia. Je suis. Il y a John et John qui viennent me regarder. Et moi. Hein. Pour ce, je précise, John et James, celui qui fait Ouskour dans la série Soda. Et le Monsieur Kebab, quoi. C'est le kebab. Monsieur Kebab. donc oui, on arrive dans la salle. On se met direct à côté de l'allée. Il sauf qu'il y avait un Jean, monsieur tout seul. Ouais. Du coup, on s'est pas rapproché de lui. Et lui, en fait, c'est toi qui m'avais dit, on se demandait ce qu'il faisait là. C'est vrai, ouais, il était comme ça. Je vous invite. Je m'en foutisme total. Il, à mon avis, il était là sûrement pour sécher les cours. Aussi. Bah oui, c'était un mercredi après matin. Parce que moi j'ai séché les cours, je suis pas fière. Oh. Mais bon, c'est une matinée, ça va, entre nous. Oui, donc on s'assoit, il y avait quoi, 2 sièges d'écart entre lui et nous. Donc on attend, il y avait les bandes annonces, et moi j'étais comme ça. Je fais, il arrive quand? Kev arrive quand? Kev arrive quand? Puis il y avait des groupies aussi. Ouais, les groupies. Yeah. Avec les, surtout que ces filles-là étaient sûrement allées voir... le film a mis public en premier parce qu'elles avaient le bonnet à mi public et on le reçoit qu'en avant-première. Donc c'était des tricheuses. Mais tant bien, j'ai rien contre elles, hein, mais tant mieux pour elles, mais bon. Enfin voilà, du coup après on a attendu à peu près 30 minutes. 30 minutes, on est arrivé à 16, le film a démarré. Non, 15 minutes, excusez-moi, ouais. J'ai pas la notion du temps. 15 minutes. 15 ouais. Minutes. Et là, attention, nous sommes heureux de vous présenter l'équipe du film d'avis public. Donc ouais, et en plus on était pas loin de l'allée, donc ils descendent l'allée. Et à chaque, je crois que c'était John et Liam le premier, et après ça, non c'était Edouard plus vieux. Ils descendaient chacun à leur tour, et puis alors après ils les présentent, et le directeur du film les présente. Et puis là il disait, et là je sais plus comment il a fait, une innovation pour celui que vous attendez tous, Kavada. Et là toutes les filles qui crient, wouah. Tout le monde qui se lève, et alors ouais. Que nous ouais. On est assis, on regarde. Elle attrape le bras. Il est là. du coup, bah moi j'étais avec mon petit portable, je filmais. Sauf qu'il y avait des filles devant moi. Qui voulaient pas descendre pour s'asseoir. Qui voulaient pas s'asseoir tout court. Ouais, s'asseoir. Mais après elles se sont assises, donc ça va. Et comme on était le matin, Monsieur Kev avait une cérémonie la veille, donc il était fatigué. Donc il présente, il fait « On est ravis de vous présenter ce film ce soir ». Et évidemment, il y a quelqu'un ce soir dans la salle qui dit ce soir. Parce qu'en fait, il était un peu 9h du matin. Donc, il était fatigué. Et c'est les autres acteurs, ils rigolaient de lui, le pauvre. Là, bon, après, ils sont partis, le film a commencé. Est-ce qu'on parle du film? Ouais, parce que je pense que ça serait quand même intéressant de. Enfin, la bande-annonce, on vous encourage à aller la voir. Après, pour les fans de Kev Adams, c'est ceux qui ne sont pas fans du tout. Donc là vous avez le côté fan et le côté normal. Un peu je m'en fous, voilà, normal. Je ne suis pas fan adepte de Kev Adams, mais je dois vous dire que ce film est juste magnifique. Mais vraiment magnifique, et je vous encourage vraiment à aller le voir. Il est touchant, il est rigolo. Le mec est taxi quoi. Et il est vraiment fan d'art, il vous prend quoi. Et tout simplement je vous encourage à aller le voir. Il est très. Enfin, il est super émouvant et il est très drôle. Enfin, c'est un mix de toutes les émotions, c'est juste génial. Et puis, moi en tant que fan de Kev Adams, on a l'habitude de le voir en tant que comique, en tant que comédien. Là, on le voit en véritable acteur. Enfin, il nous fait toujours autant rire. Mais le côté dramatique et le côté sérieux, c'est juste un truc qui ressort, qui ne nous avait jamais montré avant, et c'est juste. Puis aussi, il parle d'une cause juste, gros, du regard des autres au début du film. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui... Parce qu'il faut préciser que dans le film, ils défendent la cause... Enfin, défendent les enfants malades atteints du cancer. Ouais. C'est une cause très, 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 très... Comment on peut dire ça? Très noble. Très noble, ouais. Oh, c'est beau, noble. Allez le voir, tout simplement. Voilà, allez le voir, c'est tout. On veut pas spoiler, hein, donc allez le voir. Voilà. Ouais, après, à la fin du film, on est sorti tranquille, on a repris le train. On est retourné chez Mia, parce que j'ai dormi chez elle, parce qu'elle habitait à côté.
Et donc j'ai pris mes affaires et on est allé faire un tour à Disney Village. Notre terre. Ouais. Ouais. C'est notre coin, c'est là où on va tout le temps là-bas quoi, pratiquement. Et donc on a pris un Starbucks. C'était un chocolat chaud, je vais y arriver. De base on était censé prendre un verre pour Réponse et un pour Ariel, sauf que... Bah on est pauvres en fait. Voilà. Du coup, et comme on avait faim, c'était les pancakes au sirop d'érable. Excellent. Et ton chocolat chaud. Mon chocolat chaud. Enfin on l'a bu à deux et les pancakes on les a mangés à deux aussi. Grosse trace de rouge à lèvres sur le verre. Le verre, oui. Enfin après on s'est un peu baladé dans Disney Village et il y a un truc que je me souviendrai toujours, moi c'est la petite fille qui nous a regardé et qui a tiré sur le bras de sa mère en disant regarde maman c'est les princesses. Oh ouais, elle était trop mignonne. En fait elle a dit à sa mère regarde les princesses parce qu'elle nous a reconnus et ça franchement alors qu'on était on n'avait même pas les robes mais le fait qu'elle nous reconnaisse c'était juste génial. C'est touchant. Voilà. Donc voilà bah c'est la petite le petit vlog, hein, vous a dit, c'est un tout petit vlog. Petit, ouais. Ouais, parce qu'on n'avait pas pu beaucoup. J'ai pas pu beaucoup filmer, étant donné que c'est un film, j'avais pas filmé le film. Hein. Et c'est surtout on en profite surtout pour dire qu'en gros, la chaîne elle sera à deux maintenant. C'est une annonce pour dire qu'on sera deux maintenant. Deux. Deux tout le temps, deux. Le chiffre pair, deux. Deux. Comme les deux doigts de la main. C'est ce que j'allais dire. Donc voilà, c'est la prochaine fois, on sera avec Mia, je serai avec Mia, parce qu'on sera toutes les deux. Prochain vlog, je ne sais pas sur quoi, on verra. Les vlogs, je peux pas vous les annoncer en avance, parce que ça se fait sur le moment. Les vidéos seront avec Mia, et on vient tout juste de créer une page Facebook, et donc allez la visiter. Elle est dans la chaîne, ou dans la description. Voilà, dans la description. Et allez voir et on mettra par exemple l'annonce d'un événement, si on va y aller, si on peut y aller, si on compte y aller, si on fera un vlog, si on sera toutes les deux ou si on sera avec d'autres personnes. Par exemple les conventions aussi, les conventions de manga. Disney. Tout ce qui concerne l'univers animation, c'est... Ouais, tout ce qui est animal, magique. Voilà, magique et everywhere. Donc voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine fois et à bientôt. À bientôt. Bisous. À 9h, et c'est leur premier 9h également, ici à l'EGCDA. Alors je vais vous demander d'accueillir l'équipe d'Ami Public. Merci d'accueillir le réalisateur Édouard Puvieux. Le voilà. Merci d'accueillir Paul Bartel, Chloé Coulou, John Edelman et Mathilde Berrida qui vont nous joindre. L'équipe du film. Vous pouvez les applaudir si vous voulez vous appeler. C'est la première fois qu'ils viennent présenter un film à 9h. Ah non, et Malone qui est là également, la junior de l'équipe. Malone Nevada. Et puis ensemble, on va accueillir celui qui est évidemment le fiche d'Ami Public. Merci d'accueillir Kev Adams. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'avoir fait l'ouverture. Bonsoir, parce qu'on est pour moi en intérieur ce soir. On est très heureux de vous voir là. Merci à tous d'avoir fait le déplacement en cette matinée, c'est très touchant. Merci à vous de venir découvrir ce film qui est un film très très important pour moi, pour ma part en tout cas, et pour nous tous, je crois, ici. On m'a dit que c'était des traditions de venir à 9h ici. Je crois qu'il faut arrêter cette tradition. Mais sinon, je suis quand même très content de vous voir et de voir que vous êtes les premiers à découvrir ce film ce matin ici.
À Paris, ça fait chaud au cœur. Et puis ça m'intéressait vraiment de savoir quel type de gens allaient au cinéma à 9h du matin. Quoi. Donc, je suis content de vous voir en vrai. Quoi. Vous êtes très beau, vous êtes une belle catégorie de gens. Physiquement en tout cas. C'est bien. Voilà, je passe la parole à mes camarades. Je suis très content d'être ici avec vous ce soir. Pas tarder à être ici. Ce soir, oui, ce soir. Non, vraiment, et qu'elle m'a dit, mais c'est sincère, au-delà des vannes, merci beaucoup d'être ici, c'est quand même un acte, waouh, ça me fait super plaisir, quand il y a 9h10, 9h15 du mat pour voir un film. Un acte citoyen. Hein, ouais, c'est comme dit John, c'est bien connu, c'est un acte citoyen, il a raison. Le film, c'est bon, tu te casses. Je me casse, ok. Eh ben, les amis, on a envie de vous dire bon film, amusez-vous bien. Et s'il vous a plu, allez voir, il y a une séance en retour de folie, vous allez voir, c'est bien. Les amis, on vous embrasse. Merci. Bonne séance. Merci. 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 Voilà, on est sorti du cinéma, on a vu Kev Adams, le film était génial. Film que... Moi ça va, j'ai eu les larmes aux yeux, mais je me suis retenue, mis à pleurer. J'ai failli. Je suis malade, c'est génial. Donc voilà, là on retourne, je m'y a, récupère les affaires et après dit Disney Village. Ouais, parce que ce serait bien si c'était Disney. Je raconte ce qui s'est passé après. A tout de suite. Ah. Avec Ariel, on est dans Disney Village. Je ne sais plus où je vais. Hein? Je suis actuellement en réponse. En réponse avec Ariel. Regarde. Tu retrouves au Sarbet? J'ai déjà fait un vlog sur Disney Village, mais là on vient de Chewbacca. On revient de l'avant-première avec Kev Adams. Je vais rentrer chez moi bientôt. On fait un tour à Disney Village. Donc voilà. Donc voilà, on vient de finir un Starbucks. Tu sais que G-Dragon il travaille dans le Starbucks. Vous avez essayé de gratter pour travailler dans Starbucks. Apparemment c'est dur. Ah oui. Donc bref, on est à Disney Village. On revient de l'avant-première. Alors comment était l'avant-première? Elle était géniale. Enfin c'est pas une avant-première vu que c'était la sortie du film. On n'est pas allé à l'avant-première. Non, non. C'est juste pour Disney Village. On voit rien. Donc voilà. Fini, c'est fini. On a vu Kev, j'ai vu Kev. On a vu John et les Jam. Il y avait qui d'autre? Majid. Il y avait qui d'autre? Édouard Pluvieux. Paul Bartel. Kebab? Oui, kebab. Et voilà, donc la musique est grave forte, je ne sais pas si on m'entend. Je mettrai les photos dans le vlog en même temps. Donc voilà, petit vlog, c'est un petit vlog, hein. C'était un petit vlog en compagnie d'Ariel, alias Mia, à Camilla. Et moi en réponse, avec très... L'alcool. Hein? L'alcool. Regarde tes lunettes, tu brilles. Donc voilà, bon, je vais prendre le bus. Et voilà.